see worse. Alléluia, allé, allé, alléluia. C'est ça dans ton casque? Ouais. Oui, c'est de la chouette musique. On a toutes sortes. La fin de la saison est encore loin, mais c'est déjà un rendez-vous important pour ces deux équipes qui occupent le haut du classement. On reprend notre souffle et on revient tout de suite pour le match ici à St James Park. Le reste peut bouger. Salut tout le monde, heureux de vous retrouver ici à St James Park. C'est pour commenter ce match. Ce qu'il y a de meilleur sur la planète. Et c'est moi qui ai été trouvé. C'est la première ligue anglaise qui est à l'honneur aujourd'hui avec ce match. Newcastle contre Manchester City. J'espère qu'on va vivre une belle rencontre. En tout cas, moi, je suis prêt. Meilleure attaque contre meilleure défense. Les 11 titulaires pour Newcastle aujourd'hui. Allons-y. Dans les buts, Martin Dubravka. Presnel Kimpembe en défense avec Jamal Lascelles. Pour finir, le duo d'attaquants que voici. Et voici la composition de Manchester City. Ederson dans les buts. Riyad Mahrez sera lui au milieu de terrain, tout comme Raheem Sterling. Il n'y aura qu'un seul attaquant en pointe, ce sera Lautaro Martinez. Alors.
L'arbitre qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. Non, c'est intercepté. Bonne lecture du jeu du défenseur. Alors on va voir comment les visiteurs vont jouer. À mon avis, comme d'habitude, hein, ils aiment bien monopoliser le ballon, le conserver. Pas de raison qu'ils changent leur style aujourd'hui. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Ouais, joli contre du défenseur. Daniel Kimpembe. On s'approche de la zone de vérité. Alors finalement, ça ne donnera rien. Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne. Ah, c'est bien donné ce ballon. Lautaro Martinez. Ouh, ça c'était dangereux. Bonne intervention. Oh, l'occasion. Déjà 1-0. Voilà un match qui commence fort. Placé, il a mérite d'être là au bon moment, c'est ce qu'on lui demande. C'est donc l'ouverture du score 1-0. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Un danger qui se précise peut-être. Avec Sterling, Lautaro Martinez. Excellente intervention défensive. Il vient au duel. Et voilà, il n'a pas pu se libérer de la pression et il perd le ballon. Le ballon qui est sorti. De Bruyne. Riyad Mahrez. Riyad Mahrez. Ouais, bien joué le corps en opposition pour protéger ce ballon. Bernardo Silva. Oh, quel détente. Du braca. Oh, il est allé la chercher très loin celle-là. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Corner dégagé par la défense. Nathan Aké, il faut qu'il centre là. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Et en deux temps, le ballon qui est sécurisé. Premier arrêt exceptionnel. Hein. Et puis la prise de balle dans un deuxième temps, c'était chaud. Saint-Maximin. Nicolò Barella. Tonio. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Sterling. Bernardo Silva. Lautaro Martinez. Sterling. Quelle occasion manquée. Ah, c'est bête, hein, ça aurait complètement relancé ce match. Au centre, il y a du monde. C'est contré hein, par le défenseur, dommage. Oh, bien joué. C'était chaud, il a dégagé. On suit bien sûr ce qui se passe à Birmingham. Et je crois qu'il y a eu un but avec la parque. Oh, magnifique la parade. Superbe plongeon. C'était loin d'être évident. En deux temps, peut-être ce corner. Wow,
Oh, la parade d'Ederson! Allez, au second poteau. Kevin De Bruyne. Ouais, pourquoi pas, c'est bien vu. Martinez, le gardien qui repousse. Oh, le but ! L'égalisation pour Manchester City. On revoit le but au ralenti. La bonne première intervention du gardien. Mais bon, ça n'a pas suivi derrière et il ne peut rien faire sur le deuxième ballon. Un but partout, les deux équipes dos à dos. C'était mieux d'être à deux, hein, pour contrer cette incursion. Allez, le bon arrêt d'Ederson. Rick Karsdorp. Ederson qui avait bien senti le coup. Tir. Un geste plein de calme, de maîtrise. Là, vous voyez les statistiques. Assez impressionnantes. Beaucoup d'occasions, beaucoup d'envie de porter le danger. Et ce match qui s'annonce franchement indécis et passionnant. Milan Skriniar. Allez, peut-être une bonne occasion. Le centre dans la surface. Allez, c'est bien défendu. La frappe. Allez, l'attaque va s'arrêter là. Sterling. Le temps réglementaire est terminé. Une minute de plus maintenant. Lautaro, allez, il peut s'échapper là. Le gardien qui écarte le danger, mais ça joue toujours. Voilà, la fin des 45 premières minutes. Le score qui est de 1 partout. L'arbitre qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. Et le but ! Déjà 1-0. Voilà un match qui commence fort. Oh, quelle détente ! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là. Comme moi, je sais pas comment on fait. Après, tu voudras bien supprimer tout ce qu'il y a dans les trucs enregistrés. Quelle occasion manquée! Pour ça, je mettrai les trois matchs enregistrés. Les joueurs qui viennent de donner le coup d'envoi dans la seconde période ici à St James Park. Bernardo Silva. De Bruyne. Bernardo Silva. En phase de possession en attendant la faille. Ah, c'est bien fait de la part du défenseur, vraiment très bien joué. On va faire un petit crochet par Wolverhampton parce que je crois qu'il y a eu un but dans le Molineux Stadium. Oui, oui, Hervé, c'est le premier but pour Chelsea. C'est un but inscrit par Timo Werner à la suite d'une erreur défensive. Un but à zéro donc, alors qu'on joue maintenant depuis 46 minutes. Merci, merci pour l'info. À ne pas manquer un match de Première Ligue que vous proposera eSports avec cette rencontre. Newcastle accueillera Manchester City à domicile. Ederson qui avait bien senti le coup.
passe est interceptée par Audry. Et il gagne ce duel, il va repartir avec le ballon. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Ouais, sans prendre de risque, il a dégagé ce ballon très loin. Antonio. Oh, la bonne inspiration sur cette passe. Ah non, c'est mal exploité. Sterling. Avec Bernardo Silva. Il va falloir l'arrêter là, Sterling, parce qu'il peut être vraiment dangereux. Allez, il faut le mettre celui-là. Oh, que c'est bien défendu! Il y avait grand danger! Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre, plus qu'une demi-heure à jouer. Bon, il est l'heure du coup d'envoi de ce match. On suivra également ensemble. Grand rendez-vous si vous avez l'habitude de nous regarder, c'est que vous aimez ce genre de confrontation. Zinchenko, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne. De Bruyne, oh, il y a un vrai danger là, Kevin De Bruyne. Oh, quelle détente! Oh, il est allé la chercher très loin, celle-là. Le corner en direction du point de pénalty. Oh, mauvaise relance. Ah oui, la bonne passe. Jeu. Ouh, ça doit se jouer à rien. Ça doit vraiment se jouer à rien, cette position de hors-jeu. Quel dommage, parce que cette passe en profondeur méritait un meilleur sort. Mahrez. Lautaro Martinez. Allez, ça peut peut-être se jouer là. Il a pris sa chance, mais la frappe est déviée. Attention à ce corner. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé ce ballon. En profondeur, oui, bien vu. Mais non, hors jeu, rêve. Plus loin, hors jeu signalé hein, sur cette passe en profondeur qui s'est un petit peu fait attendre. Oh. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Attention, ça peut devenir intéressant. Ils conservent le ballon. Ils espèrent trouver une possibilité de mener une attaque. Bernardo Silva. Arrêt du gardien. Et on me dit qu'il y a eu un but à Villa Park. Ça joue à Birmingham ? Oui, il s'agit du premier but pour Aston Villa. Ça fait donc un but partout. Et tout ça après 74 minutes de jeu. Merci, et merci pour l'info. Quel ballon. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Bernardo Silva. La frappe qui est bien partie, c'est au-dessus de la transversale. Un changement d'homme qui se prépare et qui va être effectué. C'est pas un super résultat pour les visiteurs. Et si en plus les locaux profitent de tous les temps morts pour jouer la montre, c'est normal que ça agace un petit peu le public. Ah, il a mis de l'intensité dans son geste défensif et ça lui a permis de récupérer le ballon. La passe est interceptée. Et ils attaquent et il peut faire peut-être basculer le match sur ce coup. Sterling. Oh, quel arrêt! Quel arrêt! C'est un des tournants du match, ça! Fallait pas se rater! À ce moment du match, ça aurait été très dur de revenir. Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse.
cherche le point de pénalty. Ouais, la tête est sans danger. Hein. Assez difficile quand il y a autant d'adversaires autour. Et l'entraîneur qui procède donc à un remplacement. On tacle. Allez, après tout, pourquoi pas. De Bruyne. De Bruyne qui peut être dangereux hein, sur ce ballon. La frappe, c'est au-dessus. Maximin. On suit bien sûr ce qui se passe à Birmingham et je crois qu'il y a eu un but à Villa Park. Oui, deuxième but à l'instant pour Burnley. On en est donc à 2-1 alors que le match a débuté il y a 86 minutes. Parfait, merci pour ce point rapide. Les supporters des deux équipes qui donnent de la voix, ils ont raison parce que c'est maintenant que ça se joue. Hein. Allez, faut tout donner sur ce ballon, il faut monter. Eh non, dommage, ça va s'arrêter là. Ah, c'est pas fini, ils peuvent peut-être partir en contre. Et on tarde à revenir défendre, attention. Oh, que c'est bien joué, bien coupé par le défenseur. Ah, le ballon est récupéré, hein, force de harceler l'adversaire. Ouais, très bonne passe là, de Bruyne dans l'espace. Ah non, dommage, hors jeu. Eh ouais, l'appel de balle qui a été déclenché un petit peu trop tôt. Le timing n'était pas bon. C'est Maximin. C'est même en profondeur. Et l'intervention décisive dans les buts. Intervention qui vient certainement éviter la défaite. Oh là là, c'était juste et dangereux. Le coup de